Moi, j'ai dû aller chercher chez Google, Juvénal, formidable, il m'a donné quelques renseignements. Vous savez à quelle époque il vivait? Au 5e siècle. Alors, je vous dis ça entre nous, aujourd'hui, jour de l'Ascension, si vous voulez qu'on parle de vous dans 15 siècles, ben, il faut devenir un saint. Je vous le dirai tout à l'heure, pourquoi a-t-il traversé les siècles? Il a encore quelque chose à nous dire aujourd'hui, et particulièrement dans ce jour de l'Ascension. Le jour de l'Ascension, on est amené à regarder en haut, alors que souvent on regarde par terre. On est pas mal quand même ici. Oh, le temps n'est pas toujours celui qu'on souhaiterait quand on veut se promener, mais on est quand même pas mal. Et si bien que notre antenne ne nous donne plus beaucoup d'indications. Sort du cœur de Dieu, alléluia, 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 alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia. Nous te prions. Oh.
Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Que Dieu tout amour et tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et qu'il rappelle à ceux qui vont le consommer combien tu les aimes et qu'ils marchent à la suite de Saint Juvénal tout au long de leur vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.